Salut, c'est Hugo. Internet, c'est formidable, difficile de s'en passer, mais tout n'est pas rose pour autant. On s'est rendu compte que tout le monde n'était pas forcément conscient des risques que représente ce qu'on fait sur Internet. C'est pour cette raison qu'avec 4 autres youtubeurs, j'ai rejoint la brigade Kaspersky. Léo Duff, Simon Puech, Marine LB, Hugo Décrypte et moi. Pendant un an, on forme une brigade avec l'aide de Kaspersky, expert en cybersécurité. On forme la brigade Kaspersky. La brigade, c'est 5 youtubeurs d'univers plus ou moins différents, mais on a une chose en commun, c'est qu'on est tous connectés. Depuis presque 2 ans maintenant, avec Kaspersky, on nous apprend quels sont les comportements à éviter et les bons gestes à adopter pour justement sécuriser nos données. Si on a décidé de s'engager et de sensibiliser à notre tour en vidéo, c'est que c'est un enjeu qui est crucial et qui touche chacun d'entre nous. Si j'ai décidé de refaire partie de la brigade cette année, c'est pour vous donner les petits tips que moi j'ai appris et vous aider vous aussi à vous protéger au maximum. Tu penses peut-être qu'un profil privé suffit à ne pas être vu. Par la masse, c'est vrai, par les entreprises, sûrement moins. Tu penses peut-être que l'argent que tu touches tous les mois est acquis alors qu'on ne parle que de lignes de code dans des logiciels bancaires. Tu considères peut-être que le mec ou la meuf que tu vas aller voir ce soir et que tu as rencontré sur Tinder sera forcément au moins un peu identique aux photos que tu en as vues sur son profil. Un simple mail sur lequel on clique trop vite et on peut devenir victime de phishing. Des logiciels qui demandent une rançon. Des failles exploitables pour une surveillance de masse. Et pourtant, on a tous tendance à croire qu'on n'a rien à cacher. On a tous tendance à croire que ça n'arrive qu'aux autres. Internet est le reflet de notre société, dans ses meilleurs aspects comme dans les plus sombres. Un miroir dont certains connaissent les astuces, les failles, le code. Alors que toi, tu n'en effleures constamment que la surface. Le phishing, les ransomware, le crypto-mining, ce sont peut-être des termes que vous ne connaissez pas. C'est notre mission que de les enseigner pour que vous compreniez les risques encourus lors de votre navigation. Pour regrouper nos différents contenus, on a créé le hashtag Pour un web plus sûr, sur lequel vous pouvez nous poser toutes vos questions tant que ça parle de cybersécurité.